Good morning, allez, Iden le Jus, aujourd'hui le Lunishmat, Amram Yona Ben Hana Peggy Batester, Nissim Ben Aouda, Michael Novikov, et aussi le Fouat Ruth Bat Klotin Traina, Simcha Bat Masoudi, Betor, Char, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nemisha, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret et Douyot, Perik Bet Mishnatet, Hu Haya Omer, Ha'av Zochela Ben Banoy, Uba Koach, Uba Osher, Uba Chokma, Uba Shanim, Uba Mispar Adorot Lefanav, Vehua Ketz, Shenemar, Kore Adorot Merosh, אף על פי שנאמר ועבדום ועינו אותם 400 שנה ונאמר ודור רביעי ישובו הנה. Une petite Mishnah, piment de Cayenne. Elle paraît facile, elle est simple, mais la suite de la Mishnah, j'allais mettre 5 minutes pour la préparer et tourner très vite le cours. Ça fait plus d'une heure que je suis dessus, je suis même pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il y a écrit exactement. Mais on va avancer ensemble. Le début de la Mishnah, elle est simple. Tout d'abord, Hu Haya Omer, il disait aussi. On continue sur Rabbi Akiva qui disait Ha'av zoche la ben. Le père fait mériter à son fils. Je traduis et j'explique ensuite. Banoï, la beauté. Uba koach, la force. Uba rocher, la richesse. Uba chokhma, la sagesse. Uba shanim, le nombre d'années. La Mishnah, ça peut être interprété de plusieurs manières, mais en tout cas le principe c'est le même, plus ou moins. C'est que selon le rang du père, s'il est beau, son fils sera beau. S'il est fort, son fils sera en général fort. S'il est riche, son fils sera en général riche. Idem pour la sagesse, la chokhma et les années. Soit, je ne sais pas si ça implique forcément que le père se travaille pour acquérir une certaine vertu. Alors ensuite, il transmet ça de manière un peu, je ne sais pas s'il faut dire génétique, mais en tout cas de manière presque naturelle, déjà acquise chez son fils. Le noy, la beauté, s'il est beau, en général le fils reçoit plus ou moins les mêmes traits. Voilà, je ne pense pas que le père s'est tellement travaillé pour être beau lui-même. En tout cas, ça se transmet par les gènes à son fils, d'accord? Uba koach, pareil pour la force. Il y a ce principe qui existe que si le père se travaille pour acquérir une certaine vertu, ça s'est transmis ensuite dans les gènes chez ses enfants. Bon, voilà, c'est pour ça que Béni Israël, ils sont Rachamanim, Baishanim, Gomne Chassadim, parce qu'on a acquis ça de Avot et de Shim. C'est dans l'être presque. Je pense que c'est un petit peu lié quand même. En tout cas, la force, si le père s'est travaillé pour être quelqu'un de fort, alors le fils aussi, il aura les mêmes traits de caractère, il aura de la force. Barocher, la richesse, bien sûr, c'est évident. Si le père est riche, il fait partager à son fils. Coucou papa, donne un petit peu tes millions à ton fils. Obe Chochma, la sagesse, de manière générale, les enfants d'intellectuels, ou de, plutôt de Tamid Khamim, en général, ils transmettent ça aux enfants, parce que naturellement, ça peut être expliqué aussi naturellement, dans la mesure où on entretient des discussions beaucoup plus, à un niveau beaucoup plus raffiné, on partage des notions, des connaissances, on a forcément un attrait pour la sagesse, pour la chokhma, les finesses et tout ça, donc forcément, le fils regarde ça naturellement, ouais, d'accord. Ubashanim, le nombre d'années. Il y a, ça rapportait déjà entre Yitzhak et Avraham Yitzhak, et que plus ou moins à 5 années près, les enfants vivent lorsque le père décède de mort naturelle, alors le fils aussi, il va avoir une longévité plus ou moins semblable. À 5 années près, en général, c'est comme ça rapporté dans Rashi, dans la Torah. D'accord? Maintenant, pour le moment, ça va bien. 5 vertus, donc, que le fils reçoit presque naturellement. Ça peut être aussi expliqué de manière un petit peu plus kabbalistique, dans la mesure où le père, il est venu pour faire un certain devoir sur Terre, et son fils, naturellement, il doit continuer ce même tikkun. De ce fait, il reçoit plus ou moins le même mazal. C'est ce moi qui le rajoute, mais je pense que tout est vrai, tout est inclus un petit peu dans cette Mishnah. Entre parenthèses, ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. On rapporte que dans la Tosefta, c'est rapporté dans le Rambam, dans le Ravad, que Chachamim sont cholkim. Chachamim pense que l'enfant, jusqu'à 13 ans, il acquiert certes les mêmes vertus que son père, mais après 13 ans, il ouvre son compte tout seul et il reçoit ses vertus, oui ou non, selon son mérite. Comme ça rapporté. Il y a par ça une deuxième explication dans le Bar Tanora. Si vous regardez dans le premier Bar Tanora, Ha'av Zochel Aben, le fichier Karov Teva Aben Eliot Domele Teva Av, il rallonge, et puis après il y a écrit Véliniré, deuxième explication, chez Imadam, qu'il faut lire autrement.
qu'il faut lire en fait que Sheim Adam Zoché Avian Banin Naim. Si l'homme est méritant, alors il aura des enfants beaux. Ça veut dire que s'il est beau, son fils sera beau. S'il est riche, son fils sera riche. Mais plutôt, si l'homme se travaille, mérite, et ce travail devient méritant, alors Minashamayim, on donnera à son fils toutes ces cinq vertus-là. D'accord ? Il y a même, si ça vous intéresse, pour ces cinq vertus que l'enfant reçoit au nom de son père, le fils a lui aussi le devoir de faire, de respecter son père sur cinq plans, en lui donnant à manger, à boire, l'habillant, en lui donnant des chaussures et en lui donnant un logis aussi. C'est les cinq points de la... Ça a rapporté, je ne sais même plus où je l'ai lu. J'ai lu tellement de choses pour comprendre cette Mishnah en fait, que du coup, j'ai eu l'occasion de m'enrichir un petit peu. Là maintenant, on retrousse un petit peu les manches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire, traduire, présenter l'idée générale véhiculée telle qu'elle est présentée dans la Bartanora. Et puis ensuite, on va expliquer combien en fait l'enchaînement des phrases il est incohérent. Et on va essayer d'expliquer quelque chose. Ube mispar adorot lefanav vehu aketz. Je ne sais même pas comment il faut le dire. Littéralement, be mispar adorot lefanav. Le nombre de générations devant lui, vehu aketz. Et telle est la fin, la limite. Bon, je vais tout de suite rentrer un petit peu l'idée du Bartanora. Ube mispar adorot lefanav, en réalité, on avait appris dans la Mishnah, selon la première explication donc, du Bartanora, que le père, selon les deux mêmes, le père fait mériter à son fils, ou bien parle, c'est les vertus du père sont transmises à son fils, et bien la Mishnah vient et continue dans la même lancée, on nous dit, et des fois aussi, sache que c'est pas transmis que à son fils, mais ça peut même, ou bémispar adorot lefanav, mais ça peut même être transmis aussi à un certain nombre de générations devant lui. Vehu aket, là ça devient un petit peu plus compliqué, mais, et telle est la limite. Et alors là, on va prouver ce principe-là, qu'on n'a pas tellement compris ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le Vehu aket, on l'a pas compris, mais en tout cas, on rapporte des versets. Chez Nehemar, comme nous dit le pasouk, Kore hadorot merosh. Un pasouk dans le Navi, dans Yeshaya, qui nous dit Kore hadorot merosh, Hachem voit, appelle les générations depuis le début. Soit, pour le moment, ça s'explique simplement. Si Hachem a décrété sur moi que j'allais avoir des enfants intelligents pour 10 générations, alors on ramène même 1000 générations, pourquoi je me limite. D'accord ? Donc, en fait, on ramène un pasouk qu'Hachem, il appelle mes futures générations qui seront comme moi, qui seront intelligentes, qui seront comme ci, comme ça, d'accord ? Donc, Koré Adorot Meroch. Bon, pour le moment, ça va. Mais alors là, ça commence à bugger. Regardez. Avalpi Shenehemar, bien que le pasouk nous dise Va Vadum Ve'inu Otam Arba Meot Shana. Maintenant, on nous rapporte cette fois-ci sur la Galout Mitzrayim, l'exil en Égypte, où Hachem avait dit à Abraham que sache que tes enfants, ses enfants iront ils seront esclaves en Égypte, va vadoum, et ils les asserviront, verinotam, ils les feront souffrir, arba meotchana, 400 ans, venehemar, et le pasouk dit, un autre pasouk dit, vedorevi yashuvuena. Et le pasouk nous dit aussi que, et la quatrième génération reviendra ici. Bon, alors, essayez de vous casser la tête tout seul, vous allez voir comment c'est un peu le chaos, on a du mal à comprendre l'enchaînement des idées. Alors, je vous dis, plus ou moins déjà, on va le faire en deux temps. On va d'abord expliquer l'idée véhiculée dans le Bartanora, après soulever un problème dans la lecture, et puis après on va y répondre dans ta chaîne. J'espère que je vais réussir. D'accord ? Obe mispar adorot lefanav vehu aket. En fait, l'idée elle est que, je mets, c'est pas assez explicite, c'est un peu, bon bref. D'accord, l'idée elle est comme ça, elle est que lorsqu'Hachem décrète une vertu qui sera transmise aux futures générations, est-ce qu'Hachem la délimite en temps ou en nombre de générations? C'est un peu la problématique de la Mishnah. Et donc la Mishnah m'enseigne, sache que les vertus que le père, les cinq vertus que le père donne à son fils, sache que des fois on va les donner en mispar adorot lefanav, à plusieurs générations devant lui, soit 10 générations, 15 générations qui vont jouir de cette même vertu. Et alors là, la Mishnah, elle vient en fait, elle nous explique, allez, je vous fais rentrer directement l'explication, Vehu aket, et c'est ça la vraie limite. C'est-à-dire, ne crois pas que la limite, elle est établie en fait, en nombre d'années, mais en nombre de générations.
D'accord? Et c'est en cela qu'il va y avoir le dénouement en fait de toute la Mishnah. Comme le pasuk nous dit, regardez, quand Hachem il appelle une certaine vertu, il est Koré Hadorot Mirosh. Littéralement, il lit les générations depuis le début, ou il appelle les générations, je ne sais pas comment je vais traduire, mais en tout cas le principe c'est le même, c'est que Hachem il établit que 10 générations jouiront de la vertu, pas pendant 400 ans sa descendance jouira. Donc 10 générations. Quel est l'intérêt? On va l'expliquer ensuite. Et alors là, c'est sur ça qu'on rapporte un verset avec le mot Afalpi, bien que, qu'on a du mal pour le moment à comprendre, mais qu'on rapporte deux versets en te disant, regarde, il y a écrit, Va'avadum ve'ino tamar ba'mochana, il y a marqué qu'il les a servis, donc on devait être en Égypte pendant 400 ans. Et en fait, finalement, Ve'ne'emar dor revi, ve'dor revi yashuvu'ena, et la quatrième génération reviendra ici. En réalité, en fait, il faut bien lire le Afalpi, selon ce qu'on a expliqué. C'est le principe qu'on a expliqué, qu'en fait, la Mishnah vient et nous dit comme ça, tu sais, regarde, Hachem, il avait décrété 400 ans. Mais est-ce que réellement on est resté 400 ans en Égypte? Pas du tout. On a été asservi durant 210 ans uniquement, Kemispar Redou. D'accord? Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, même lorsqu'Hachem fixe une certaine vertu ou même dette à régler, pour 400 ans, en réalité, c'est pas le nom. Hachem, il parle pas en année. Lorsqu'on a un tikkun à faire, si on peut parler de cette manière, lorsqu'on a quelque chose à faire, on a besoin de réparer une certaine faute, ou au contraire de nous travailler sur un certain point, peu importe, Hachem n'établit pas ça en nombre d'années. Même lorsqu'il s'exprime en années, en réalité, son intention elle est génération. Ouais, comme ce qu'on voit en fait en Égypte, que d'un côté, Hachem, il a dit, et ils seront asservis durant 400 ans, et malgré tout finalement, il y a marqué dans le pasuk que la quatrième génération reviendra. Soit, depuis Yaakov, il y a eu Lévi. Après Lévi, il y a eu Amram. Ouais, si je ne me trompe pas. Amram. Non, plutôt Kehat. Amram. Et Moshe. Et les enfants de Moshe sont rentrés en Eretz Israël. Donc en fait, ça fait quatre générations. Par rapport au Doléador, d'accord? Ça veut dire que si vous faites avec Lévi, on va compter depuis Lévi, je pense. C'est plus pratique. Et donc ça fait comme ça, quatre générations. Il y a eu Amram. Il y a eu Kehat, après Kehat, il y a eu Amram, Amram, Moshe, et les enfants de Moshe sont rentrés dans Israël. Regarde qu'Hachem, il a décrété 400 ans, et en réalité, quelque part, il a arrangé les 400 ans à sa manière. Au lieu de faire 400 ans d'esclavage, il a calculé 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. L'essentiel, c'est que la quatrième génération revienne en Israël. On aurait pu, en théorie, partir en Égypte, et avoir là-bas des vieillards qui n'ont pas eu tellement d'enfants, et que chacun, il a vécu très longtemps, jusqu'à qu'à la fin, on a fait 4 générations durant 400 ans. Hachem, il a décidé de calculer autrement, parce qu'on a eu du mérite. Et c'est en cela le dénouement. Donc, parce qu'on a eu du mérite, ou bien parce qu'il a eu plus pitié de nous, il a vu qu'on n'allait pas tenir le choc de ce fait, Hachem a dit, bon, les années, on va les arranger autrement. L'essentiel, c'est qu'on va compter les 4 générations. C'est moins les 4 générations. Allez, on les fait sortir, on les fait rentrer en Eretz Israël. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est justement là pour nous apprendre quelque chose de très important. C'est qu'en réalité, même si dans notre exil présent, on ne sait pas pour combien de temps il a été décrété, il y en a beaucoup qui s'amusent à calculer. Tous les calculs ne servent à rien, c'est écrit dans le Rambam, Meforash, c'est qu'on ne peut pas calculer la fin, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera cette fin-là. Mais une chose de sûre, c'est qu'elle est établie en nombre de générations. De ce fait, ayez des enfants, éduquez-les dans la Torah, dans les mitzvot, au maximum, et Bezrat Hashem, comme ça on va faire activer le fait qu'on augmente le nombre de générations, et de ce fait, on sortira plus rapidement, Bezrat Hashem, de cet exil. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.